Hey les gens, c'est Twinner, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Donc, je vais tout de suite vous montrer comment jouer à la PS Vita sur la PS4. Enfin, jouer à la PS4 sur la PS Vita. Donc, jouer à n'importe quel jeu, comme par exemple FIFA 17 ou même Black Ops 3. Vous pourrez jouer à tous les jeux de la PS4 sur Vita. Donc, tout d'abord, il faut déjà avoir une PS4. Ce qui est logique. Et il faut avoir une PS Vita qui est là. Voilà, donc une fois que vous avez allumé votre PS Vita, il faut la connecter au réseau Wi-Fi de la PS4 qu'il y a aussi. Ensuite que ceci soit fait, vous allez aller dans le lien PS4, démarrer. Donc là, vous allez sur la PS4, vous allez mettre les paramètres. Vous allez aller dans lecture à distance, ajouter un périphérique. Donc là, il va vous donner des chiffres. Donc vous allez juste. Ah, donc là, vous allez les inscrire. Donc là, ça va se télécharger. Vous pouvez voir. Donc là, il y a un certain temps. Voilà, donc là, lecture à distance. Et donc là, normalement, si tout est normal, si votre connexion est assez bonne, et bah vous allez avoir l'écran de la PS4 qui va s'afficher sur la PS Vita. Et donc voilà, c'est fait. Donc ça veut dire que c'est bon. Donc je vais tout de suite vous montrer que ça fonctionne bien. Par exemple, sur FIFA 17, hop. Donc hein, vous pouvez voir. Vous pouvez bien voir que vous avez l'image sur la PS Vita et sur la PS4. Voilà, hop. Donc, en français. Voilà. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, en tout cas, qu'elle vous ait plu, bon bah tant mieux. Mais si cela vous a aidé, ce serait beaucoup mieux. Donc voilà, hop, vous pouvez bien voir que tout fonctionne exactement comme sur la PS4. Le seul truc, c'est que vous n'avez pas toutes les touches. Vous n'avez pas les touches L2, R2. Et donc du coup, ce qu'il faut le faire, c'est de toucher le pavé tactile arrière. Donc R2 qui sera ici, qui sera ici, et L2 qui sera là. Voilà. Donc voilà, donc vous savez comment jouer à la PS4 sur PS Vita. Donc j'espère que cela vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!